Moi, je l'ai vu dans les publicités, dans les journaux et puis dans les tracts qui sont distribués. Parce que je sais qu'il y a un gros besoin en sang, que dans ma famille, ma mère a déjà été transfusée et ça me semble important que tout le monde participe à cet effort. Moi, je pense parce qu'il y a beaucoup de manque de sang actuellement et il y a beaucoup de personnes qui sont malades qui en auraient besoin. Je suis directrice adjointe de la pépinière d'entreprise de Pierre. Et il s'agit en fait d'un espace qui héberge des entreprises de moins de 3 ans. Donc c'est un lieu vraiment dédié aux entrepreneurs qui lancent leur activité. J'étais à la recherche en fait d'un endroit collaboratif. On est bien avec tout le monde ici, avec les personnes qui nous aident et même les autres entrepreneurs. Et donc nous, on est arrivé à la pépinière il y a un peu plus d'un an et demi, avec une idée. Ils nous ont accompagnés et aujourd'hui, on est en phase de commercialisation. Peu importe les domaines de chacun, on a finalement les mêmes problématiques. Donc voilà, c'est très très enrichissant. Voilà, de faire du lien et puis de coopérer ensemble et puis d'aller plus loin. Alors aujourd'hui, oui, effectivement, c'est un moment un peu spécial puisque nous fêtons les 10 ans de la pépinière. Cela s'inscrit en fait dans les festivités du quartier de Pierre qui lui-même fête ses 50 ans. C'est dans ce cadre-là que nous permettons à des jeunes et moins jeunes de venir à la rencontre d'entreprises, d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise et de partenaires qui accompagnent les initiatives de création d'entreprise. Et pour l'occasion de ces 50 ans du quartier de Pierre, on est très très heureux d'inviter d'autres artistes. On l'a imaginé à partir du moment où on a su qu'il y avait les 50 ans du quartier de Pierre. Et là, pour l'occasion, évidemment, on voulait faire ça aussi avec les habitants du quartier. Et c'est là où on a commencé à rencontrer des gens pour leur dire « Allons-y, faisons quelque chose ensemble ». Chacun a donné des idées, il y a beaucoup d'artistes dans le quartier. On s'est dit, ok, venez, nous on organise un spectacle, on vous accompagne sur vos prestations, sur vos activités, vos actions, et on verra ce que ça donne. Donc cette soirée, en fait, elle vise à mettre en lumière les talents de Haute-Pierre, exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer à travers leur identité, leur expérience. Et notamment en occupant cette belle salle qui est le théâtre de Pierre. Le quartier de Pierre est un quartier dynamique. C'est un lieu de richesse que les habitants construisent. J'aime dire que Pierre tient le rôle d'un village dans lequel on se sent chez soi. On y trouve du soutien, là où la solidarité nous fait vibrer. Je souhaite vous dire que je suis reconnaissante. Reconnaissante de tout ce que Pierre a pu m'apporter. Rencontre, valeur. Applaudissements.